Ainsi parle l'Éternel. Partagez la parole de Dieu avec vous-même. Le Seigneur vous parle, écoutez-le. Ainsi parle l'Éternel, le chemin du salut par la prédication. Chers téléspectateurs de la radio-télé 4VH, amis auditeurs, nous saluons dans notre Jésus. Je dis à nous sentir nous contents pour nous capables avec vous, pour nous capables de développer ensemble avec vous dans un sujet, un thème qui se reforme notre façon de prier. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'écume de recevoir thème non, d'après réfléchi sur lui-même, moi c'est un très bel thème. C'est un très 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 beau thème. Pour qui ça? Parce que il parlait sur qui, comment nous capables de reformer façon dont nous prier. Et permette-moi que nous capables de parler de la puissance de la prière continue. Beaucoup d'hommes et des femmes ont expérimenté la puissance de la prière en continu. Nous sommes capables de remarquer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, certaines églises organisent des prières qui fonctionne 24 sur 24. Certaines églises organisent des prières qui fonctionnent 24 sur 24. Grand pile l'église yo qui organisait prières 24 sur 24. Il dit y a une prière lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Yo pas même dans samedi, yo pas même bay moun yo chance pour yo capable vaquer à occupation personnelle yo. Surtout si la yo ki marié ki gen responsabilité. Pas même bay au chance pour capable vaquer à occupation personnelle yo. Ça pas veut dire les nous parler comme ça. Prière pas important. La prière est très importante dans la vie en chrétien. Nous pas qu'à vraiment rentrer en profondeur dans sujet nous sans nous pas bailler quelques définitions de la prière. Il y a un auteur qui fait nous connaître que la prière est comme une flamme continue qui nous donne de voir la puissance de Dieu se manifester. Et il y a un autre auteur qui va nous donner d'autres définitions de la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur. La prière, c'est l'élévation de notre âme vers Dieu. Ou bien la prière, c'est parler à Dieu en l'aimant. Mais bien aimé dans le Seigneur, quitter une partie à partir de définition ça. C'est parler à Dieu en l'aimant. Ici, on nous prend le verbe aimer. En ouais qui ça dit dans Jean 14 verset 15. Qui ça Jésus-Christ lui-même lui dit dans Jean 14 verset 15. Si tout en pile monde remet question de la prière. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas oublier, nous sommes dit que la prière, c'est parler à Dieu en l'aimant.
Comment on est capable de parler à Dieu et pour montrer Dieu que nous remène? Si je parle à Dieu, il faut montrer bon Dieu que me remène. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit que si nous remène, il faut que nous gardions commandement. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il dit si nous remène, il faut que nous gardions commandement. Il dit que si nous remène Jésus, il faut que nous suivions les préceptes de Dieu. Si nous disons nous remène bon Dieu, il faut que nous suivions les préceptes de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous disons nous remets le Seigneur, nous prier, cependant, nous pas respecter les préceptes de Dieu, c'est comme si nous pas fait absolument rien. C'est comme si nous pas fait absolument rien. Si nous fait 24 sur 24 heures n'a prié et puis nous pas respecter les principes de Dieu, c'est comme si on pas fait absolument rien. Si on a prié, on a violé les préceptes de Dieu, prière là l'a manqué efficace. La prière, c'est un moyen de communication entre vous-même à Dieu. Il dit que c'est vous qui parlez à Dieu. Mais selon l'auteur, il montre que c'est pour parler pendant que vous remet bon Dieu. C'est pour parler pendant que vous montrer où remet bon Dieu. Si je nous dis pour qui ça chrétien yo doué prier. Pour qui ça chrétien yo doué prier. Peut-être on va poser cette question, peut-être grand pile monde qui va répondre, qui va dire bon chrétien yo doué prier et là on gain besoin. C'est pour là yo doué prier, c'est là que yo gain besoin. Est-ce que seulement c'est là on monde gain besoin, là en difficulté, au besoin la prière? Est-ce que seulement les kayla pa gen manger, les timoun yo malade ou besoin la prière? Est-ce que chrétien yo c'est les no, yo non situation yo pa wè en haut, yo pa wè en bas, c'est les ça yo doit la prière. Les ka perdu, c'est les ça yo doit la prière. Non. Apôtre Paul lui-même dans Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit nous besoin prier sans cesse. Nous besoin prier sans cesse. Il dit chrétien pas gagnon l'heure lui doit prier. Chrétien doit prier pas seulement les au gain besoin. Chrétien doit prier pas seulement les hauts dans moments difficiles, les hauts en difficulté, mais chrétien doit prier sans cesse. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu sont des temps merveilleux. Les nous passer tant dans présence bon Dieu, tant que nous passer dans présence de Dieu, c'est tant qui vraiment merveilleux, extraordinaire. Tant que vous passez dans présence bon Dieu, les plus bon que tout l'autre temps que vous passez ailleurs. Et ça fait dans Psaume 84 verset 11, il dit mieux vaut un jour dans tes parvis sur le sel de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psalmiste voulait montrer que tant qu'on passait tout le temps ailleurs, plutôt passer tout le temps dans la présence de mon Dieu. Dans Psaume 27, Psalmiste David dit, je voudrais
habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Nous pensons qu'on est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Plus nous prions, plus nous sommes forts. À l'inverse, moins nous prions et plus nous sommes faibles. Pour qui ça? Car la prière permet la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Les nous prier, prier nous permet que présence bon Dieu manifeste dans la vie. Les nous prier, plus nous prier, plus nous fort, plus nous avons force pour nous capables de résister face avec tentation, yo, avec épreuve. Yo. Plus nous prier, plus nous pas approché de Dieu et nous pas aimé la parole de Dieu. Plus nous pas tiré tout. Présence, mon Dieu, les nous prier et nous demeurer dans la parole de Dieu. Pour qui ça nous doit, pour qui ça chrétien doit prier? Chrétien doit prier premièrement. C'est parce que la prière est votre premier choix. Chrétien doit prier. Pour qui ça chrétien doit prier? C'est parce que prière doit premier choix dans la vie. Les gens ont difficulté, les gens arrivent dans un moment que ils sentent pas capable, les gens prennent une décision, ils doivent d'abord râler les âmes de la prière. Chrétien doit prier, qui ça chrétien doit prier? Parce que la prière transforme les situations. Il y a un moment difficile qu'on compte nouveau. Et puis, il y a un moment de prière qui transforme la situation. Il raconte une histoire d'un propriétaire, d'un employeur qui a des employés qui travaillent ensemble avec lui dans un restaurant. Mais, li pa fè employé yo confiance parce que le pa konnen yo. Li obligé kite bureau li pou le camper des do employé yo pou la contrôler yo pou wè ki type de travail ki employé yo a balé et comment employé yo a servi client yo. Chaque jour c'est comme ça. Et ça vient faire stresser, ça vient faire le travail puis plus pour journée. Ça vient faire tout lit en difficulté parce que chaque jour l'obligé camper là des dos employé yo. Pour voir que est-ce que employé yo a bay bon travail. Est-ce que yo compétent pour travail que yo la donne là. Mais bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour, c'est comme ça. Un jour, il commençait par réfléchir en parlant des employeurs. Il commençait par réfléchir. Il dit, mais pour qui ça? Je suis obligé chaque jour, en même temps dans le bureau, en même temps dans la caisse, en même temps, je suis obligé de camper des deux employés pour moi, ça y a fait. Il dit, trop inquiétude, trop de fatigue. Et ça stressait. Il décide de passer un moment de prière pour l'institution qu'il a gérée. Il commençait à passer un moment de prière. Et puis, il commençait à prier. Et puis, bon Dieu, tu vois, dans Jérémie 33, verset 3. Dans Jérémie 33, verset 3, on voit qui ça le dit. Invoque-moi.
et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et l'elfine rencontrait renverser ça. Selon interprétation pâle, il dit, ah, puisque Seigneur dit, m'relèle, la répondre moi. Non seulement la répondre moi, la annoncer de grandes choses, et même bagay caché qui me pas connaît que la annoncer. Il dit, pour qui ça m'oblige à camper derrière deux employés, puisque bon Dieu a révélé tout ça employé a fait si au bien travail, si au pas, si a mal travail. Ou bien s'il a contribué pour permettre que restaurant pas bien marché. Il dit pas besoin et camper des deux employés ou encore. Tant qu'il était seigneur à camper des deux employés. Nous capable remarquer nos raisons qui fait chrétien ou doit prier. Premièrement, c'est parce que d'après la parole de Dieu, d'après Jérémie 33, verset 3, côté nous saute l'IA, c'est parce qu'il y a prié, il y a Dieu qu'on est cap répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Il y a qu'on est, il y a prié, il y a un bon Dieu cap répondre, cap tendre, cap coûter, cap comprendre. Vous capable remarquer, verset 3 dans Jérémie 33. Il y a un prédicateur qui relait prier ça, qui relait verset ça. Le téléphone de la prière. Pour qui ça y relait comme ça? Parce qu'il permet une communication entre eux ou même avec bon Dieu. Entre chrétiens et bon Dieu. Relim m'a répondu. Le Seigneur dit relil l'a répondu. Il y a une raison qui fait chrétien on doit prier, c'est parce que on connaît que depuis on relil le Seigneur attendait. Dans Philippiens 4 verset 6, il montre nous deuxième raison qui fait chrétien on doit prier. C'est pour faire connaître à Dieu vos besoins. Deuxième raison qu'il faut de prier, c'est pour faire connaître à Dieu vos besoins. Chrétien doit prier, c'est pour être capable de faire connaître, c'est pour être capable de faire bon Dieu connaître besoin. Deuxième raison qui fait chrétien doit prier, c'est pour être capable de faire bon Dieu connaître besoin. Les besoins. Parler avec le Seigneur, c'est dans la prière. Et il y a des chrétiens qui ont des blagues. Il y a tout si ce n'est pas la prière côté au tapis. Bon, c'est des difficultés, bon, c'est des défis qui devant eux, grâce à la prière. Je dis, défis ça y est levé. Et Gemoun Gabdou, la prière c'est manger, c'est nourriture. Gemoun Gabdou que dans moment dans situation difficile, c'est grâce à la prière. En ce sens, nous capables remarquer que la prière c'est une clé pour vivre une vie victorieuse. C'est une clé pour vivre une vie victorieuse. La prière, c'est une clé pour capable vivre une vie de victoire. Pour capable marcher de victoire en victoire, faut ouvrir dans la prière. C'est la deuxième raison qui montrait que qui fait chrétien. Doit prier. Leur prier, ou pas de prier pour eux-mêmes seuls.
ou doit prier pour famille ou pour zami ou pour l'église pour pasteur. Il y a moun ki pa jam prier pour pasteur yo. Pour prédicateur qui l'église yo. Ou capable prier, l'a prier ou besoin prier pour comité l'église que ou la donne là. Leader yo. Ou besoin prier pour yo même. Il y a moun capable attendre chaque jour ces pasteurs yo pour qui prier pour yo même, yo pa jam passer un moment de prière pour pasteur yo. Ou besoin prier pour pasteur yo. Pas oublier d'où deuxième raison qui fait chrétien ou doit prier, c'est parce que au besoin faire connaître à Dieu besoin yo. T'es gué au maman qui t'es gué en petite fille qui t'a bal problème parce que petite fille a t'es droguée. Et chaque jour, maman a parlé avec petite fille pour le capable à l'église. Parce que désir maman, c'est pour le petite fille à l'église. Chaque jour, elle a parlé petite là, mais comme s'il est capable de remarquer, de jour en jour, bagayou a vint plus mal. Un jour, maman a décidé de rentrer dans la prière. Maman a commencé à passer des moments dans la prière. Un matin, petite l'a levé, il dit, maman, je décide d'accompagner pour aller à l'église. Ouais, chaque heure, la parlé petite l'a parlé petite l'a pour petite l'a l'église. Parce que c'est désir maman ça. C'est désir maman pour petite l'a l'église. Petite l'a pas jamais donné maman. Le jour, il décide de passer un moment dans la prière. Il m'a dit à l'Éternel, pour bon Dieu, capable d'arrêter petite là et mener l'église. Un jour, sans lui pas jamais dit petite là rien. Il décide de dire, maman, je dis à moi l'église avec vous. Toute bagaille t'a semblé désespérée. Tout le monde viré d'eau barou. Au besoin de connaître, au gonz âme, c'est la prière. Seulement, nous besoin mettre principe les nappes la prière. Gen moun ki marié, qui passait tout taillot dans la prière, qui pa gen temps pour foyer yo, qui pa gen temps pour ti moun yo, qui pa gen temps pour mari yo. Lundi, y allé dans jeûne 6 pour 6. Là au saut dans jeûne là, y allé dans veille de nuit. Bonheur, yo te déjà gon rendez-vous dans groupe a yo. Là au saut dans groupe là, yo font ti monter sous montagne là. Yo passe un petit temps sous montagne là. Yo passe un petit temps sous la montagne. L'elbo 4 heures. Yo descend. Yo fatigué. Et al dormi réveillé. Yo pas même gen temps pour parler avec ti moun yo pour mande ti moun yo comment ça y est. Comment l'école la te jodi a pour vérifier valise ti moun yo. Yo pa même gen temps pour font ti parler avec Maria. Levé. Yo changé te gon répétition pour y aller. Nan demain encore yo te gon jeûne pour y aller. Di chaque jour yo sous la montagne. Chaque jour yo sous la montagne. Ça pa vle di si on moun aller sous la montagne. Ça vle di moun nan péché. Non, Jésus-Christ te kon pran pied mort yo. Mais ou pa ka faire 24 ou pas qu'à passer 24 heures sur 24 et puis ou à prier ou pas même gain temps pour foyer ou pas même gain temps pour ti moun yo ou pas même gain temps pour mari ou grand pile responsabilité c'est ça 4VIH veut aider nous l'a demandé pour capable reformer façon nous doit prier ou doit gagner. Ou doit mettre discipline dans façon que ou appelle la prière. Gon l'heure que pour la prière, gon l'heure pour capable lire et méditer la parole de Dieu, mais gon l'heure tout pour embrasser responsabilité qu'on gagne. On marié. Même sous pas marié, mon l'école ou dans université,
faut bailler un temps. Et les chrétiens qui passaient tout le temps yo dit dans la prière, yo passaient tout le temps yo sous montagne, yo passaient tout le temps yo en bas au temple. Des fois, prie, pourquoi c'est prier, le prier vrai? Yo fuit responsabilité que yo gagné. Et aller sous la montagne là, si yo dépassé tout le temps dans la prière, yo passé quelques temps, yo prend quelques minutes pour me pas dire même. Bon, j'ai une heure de temps. Une heure à deux heures de temps, nan dialoguer avec yon lot moun, avec yon zami, avant même yon commencer à rentrer dans la prière. Faut mettre discipline dans le moment de prière. Laissez prier ou al prier, c'est prier ou al prier. Ou al prier de telle heure à telle heure, mais yon lot ou réservé pour embrasser responsabilité que vous gagnez. Pas oublier, nous soutenons toujours. Nous faisons partie de l'église militante. C'est vrai. C'est ça qui fait que vous êtes dans la prière parce qu'on connaît que et des mois, ils ne veulent pas vraiment nous sauver. Ils ne veulent pas aller dans le ciel. Mais vous avez une responsabilité parce qu'on est encore sous terre. Si vous n'êtes pas sous terre toujours, vous faites partie de l'église triomphante. Vous êtes dans la gloire. Laisse ça, on sait des responsabilités ou pas t'ab gagner encore. Faut que nous mettions discipline dans la prière. Nous besoin reformer façon que n'a prier. Troisième raison qui fait chrétien ou doit prier, c'est parce que bon Dieu même mandé pour nous prier. Dieu nous dit de prier. Quand Jésus parle, il ne dit pas si tu pries, mais il dit quand tu pries. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Les Jésus parlait, il n'a pas dit que Jésus parlait, il n'a pas dit que si n'a prié, mais il dit, les n'a prié, mais comment nous devons prier? Dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et c'est. Mais ça le dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. La prière, nous besoin rentrer dans la chambre. Nous. Fermez la porte. Et là, papa qui est à côté de hier, il attend de prier. Ou pas obligé, jodi a, ou te tel monde, demoual nan tel lot monde, ou bien, on moun de bon prophétie, li dit, faut faire 17 jours de prière, 40 jours de prière, 6 pour 6. Kote responsabilité qu'on gagne yo. Kote responsabilité qu'on gagne yo. Oh, moun nan dit, bon, faut. Et bon, dans la vision que moi, il faut passer, il faut faire 50 jours de prière, 6 pour 6. Pendant 50 jours, ça, on fuit toute responsabilité. Mais ce n'est pas ça la Bible dit. On n'a pas besoin de son paquet de temps pour la prière. Tant que côté exactement côté nous jouons un sujet, nous, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière, ou pas besoin son paquet de causer pour dire le Seigneur, soit en pensant que sous dit le Seigneur, ou multiplier beaucoup de paroles, ça va le faire bon Dieu tant de prières. La prière, on besoin approcher de Dieu avec un cœur sincère.
ou besoin d'approcher de Dieu avec un cœur sincère. C'est pas à force de paroles qu'on va le multiplier qu'on va le faire que bon Dieu t'en des prières. Non. Ou besoin dit exactement son besoin. Je dis à mon envie avec telle demande, demain tourner côté l'Éternel avec telle autre parole. Mon n'a pas fixé. Il pas fixé. Il pas venu côté le Seigneur pour dire le Seigneur exactement ça le besoin. Des fois nous pas même connaît ça nous gain besoin. Ou ka prier bon Dieu pour faire cadeau yon maison. Pour tenter ou te gon problème dans corps. Bon c'est lui bon Dieu guéri. Parce que bon Dieu ouais santé a plus bon pour. Parce que nous pas même connaît ça nous gain besoin. Ou ka prier le Seigneur. Pour le Seigneur faut cadeau yon bicyclette. Pourtant le Seigneur son Bible faut cadeau parce que nous connaissons Bible là ka bon pour. Parce que nous pas connaît vraiment vrai ça ka bon pour nous. Des fois nous multiplier parole, nous multiplier parole, nous multiplier parole sous prétexte que quantité de paroles qu'il a dit, c'est ça qui va le faire prière exaucer. Nous font bon sacrifice, tant qu'on pas rien au fait. Non. C'est pas ça qu'a fait bon Dieu dans les prières nous. Oui, chrétien on doit prier. Pas oublier nous sommes dit ça déjà. Bon Dieu mandé pour nous prier. Et ça que Jésus pas dit que si n'a prié, mais il dit les n'a prié. Mais comment nous devons faire ça? Chrétien yo prier, c'est parce que bon Dieu mandé yo pour la prière. Comme ça dit nous tout à l'heure, apôtre Paul même dans Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit priez sans cesse. La Bible montre li vraiment nécessaire pour un chrétien la prière. Mais faut que nous mettez discipline dans façon que n'a prier. Faut que nous mettez discipline dans façon que n'a prier. Si n'a prié, nous besoin mettez discipline dans façon que n'a prié. Ou capable de vraiment qui ont l'heure, ils ont horaire de prière. Et il y a monde qui connaît que ouh si m'pa prier dans tel monde, m'pa senti que prière a exaucé. Ou on que ou vini idolâtre. Parce qu'on montre que c'est dans tel monde si m'aller prier a exaucé. Non. Par contre, côté me prier le Seigneur pour bon Dieu pas attendre prière. Par mon côté, me prier pour bon Dieu, pas attendre prière. Pierre, c'était dans prison Pierre était. C'était dans prison Pierre était. Les Pierre était rentré dans la prière. C'était dans prison qu'il était. C'est sa foi capable de remarquer. Jodia gen pile sanctuaire de prière. En pile sanctuaire de prière. Qui organise prière 24 sur 24. Et prière sa yo, maison de prière sa yo, soit c'est yon sœur, ou bien yon frère qui fait révélation qui dit bon Dieu bal sanctuaire de prière. Ou capable de remarquer, jodi a, moun nan te nan tel sanctuaire de prière. Demain, tan de gon sanctuaire de prière, kote a fait miracle, l'aller. Kote gen miracle encore, l'aller. Même pas quoi c'est pour ça que chrétien ou de prière.
Mais quoi, c'est pour ça que chrétien doit prier. Et quatrième raison qui fait que chrétien doit prier, et c'est lui que t'as doué en premier, mais nous juste mettez l'an dernier. Quatrième raison qui fait que chrétien doit prier, c'est parce que chrétien a besoin de gagner une vie agréable à Dieu. Sous besoin d'une vie qui est agréable aux yeux de Dieu, ou doit rester dans la prière. Ou doit rester dans la prière. Pas selon vous-même, mais selon la parole de Dieu. Pas selon vous-même, ou bien pas selon ça vous dit, mais selon la parole de Dieu. Ou de mener une vie de prière. Pour être capable agréable à Dieu, ou besoin de rester dans la prière. Et quand nous dit ou besoin de rester dans la prière, attention, ça ne veut pas dire que, ou dit, ah, nous connaissons, dit que, et nous ne devons pas mener, et faire quantité de jours de prière, sortir dans le monde ça, aller dans tel monde ça. Non, ce n'est pas ça, nous dit. Mener une vie de prière, pas obligé. Ça m'a dit si mal la monde que péché, non. Mais c'est leur montrer que vous passez tout le temps dans le monde. Et vous fuyez des responsabilités qu'on gagne. Vous faites toute semaine là. Vous fuyez des responsabilités qu'on gagne. Vous avez des gens, vous avez des maris, vous avez toute une maison sous responsabilité. Vous abandonnez le business. Et il y a des gens qui même fait mes business. Yo. Pour passer toute une semaine. Et vous faites ça chaque jour. Presque tout mois. Est-ce que ça t'a voulu dire que si je suis dans le monde, ça t'a voulu dire que c'est péché? Non. Comprenez ça nous dire. Loi la prière, au besoin de mettre discipline. On connaît que. Ça qui arrive, chrétien a un spécial jour de prière. Jour d'yal qui arrive, il dit, bon, m'a fait toute journée dans la présence de Dieu. Marie ou planifier ça avec Marie ou planifier ça à Timounio. Pas de problème dans ça. Mais c'est là que mon a passé tout le temps dans la montagne, pas chambre de temps. Pas chambre de temps. Laissez-moi qu'on est, quand il n'a pas bien marché. Parce que, ou même, pour qu'il te contribue, pour permettre qu'il a bien marché, au fil des responsabilités qu'on gagne. Pour qu'il n'y ait pas agréé à Dieu, là, on vient comprendre que, prière que m'a dit chrétien doit mener en vie de prière. Ou doit mener en vie de prière, yon vie de prière pour capable agréable à Dieu. Ou besoin planifier ça. Ou besoin planifier ça. M'ba obligé que c'est dans monter la malle pour mener en vie de prière. Dans business ça m'a prié. Comme ça, tout m'gale dans la montagne. Ou aller dans la montagne, c'est juste chercher un côté pour capable de concentrer dans la prière. Mais en réalité, ce n'est pas telle montagne si m'aller prier pour exaucer. Ou aller dans la montagne là, ou chercher un côté, un lieu, côté moun pap dérange, ou téléphone pap sonner, moun pap pral dire, mais moun vin koto, et pas tout pap frapper. Comme si là, ou capable de concentrer dans la prière. Mais ça ne veut pas dire que ces montagnes-là, si malé, c'est ça qui a fait prier à exaucer. Ou bien, il y a un monde qui parle mal dans la montagne, ça ne veut pas dire que moun sa pas un monde qui a mené une vie de prière. Ou capable de mener une vie de prière, chrétien ou de prier, c'est plus capable de mener une vie qui est agréable aux yeux de Dieu. Et immédiatement que vous avez une vie agréable aux yeux de Dieu, spirituellement, on grandit.
ou ap grandi spirituellement et ou pral rete dans volonté parfaite de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous pas pour aller trop loin ensemble avec vous. Pas oublier nous te gen chance ensemble avec vous. T'aime ça, reformons notre façon de prier. Et je dis, nous avons une chance de développer ensemble avec vous. Pour qui ça, chrétien yo doit prier? Pour qui ça, chrétien yo doit prier? Pendant la prier, nous besoin changer que au parents monde qui libre ou même qui marié. Ou besoin d'un petit temps pour Kayla tout. Ou besoin d'un petit temps pour Kayla. Même si l'église a dit qu'il y a veille de nuit à soir, mais changer où tu es dans jeune. Ou tu fais toute journée dans jeune. Ou tu as responsabilité tout. À soir, pas pour. Soit aller dans veille de nuit, mais changer. Ou même toute une maison qui sont responsabilité. On nous fait ça en l'autre façon, les nappes la prière. On nous fait ça en l'autre façon. On planifie ça selon la parole de Dieu. Jean la Bible mandé pour nous prier. Et nous va voir qui grand exploit que nous va faire dans bon Dieu. Les nappes prier. C'est pas en pile parole pour nous répéter. C'est pas ça qu'après le fait bon Dieu tant de prières nous. Beaucoup de paroles. C'est pas ça qu'après le fait bon Dieu tant de prières nous. Mais on ti gens plus précis. Yon ti moun qui gen parent les besoin yon bagaille. Il pas besoin parler en pile pour le joindre. Il besoin clair, il besoin très simple. Il pas besoin compliquer les choses pour le joindre. Pour la côte parent pour dire besoin tel bagaille. On nous fait ça tant que ti moun yo fait avec nous-mêmes. Les besoin bagaille dans même bon Dieu. On pas besoin compliquer les choses. On nous simple et clair. Les besoin bagaille dans même bon Dieu pour nous capable mandil. Et les ça nous va ouais. N'a fait beaucoup d'exploits. Sans pas besoin faire pile sacrifice. Pendant n'a fait sacrifice, nous pas même obéir à la volonté de Dieu. Nous pas même obéir à la parole de Dieu. À nous obéir à la parole de Dieu. Et puis nous va voir gros merveille bon Dieu va faire dans la vie nous. Si vous t'attendez mais ça et ça. Ou c'est un monde comme ça qui pas de temps pour la caille ou tu fuis responsabilité. Quand il a commencé planifier ça. Yo l'heure pour prier, l'heure pour capable embrasser responsabilité. C'est pour mon Dieu dans l'amour, capable de bénir et protéger. Si vous faites la paix avec Jésus, fais ça. Et mon Dieu, papa, qui pas bénir. Mon Dieu, bénir. Que grâce, mon Dieu, capable de couvrir.